Bonjour à tous, bienvenue dans ce GTEch. Le JTEC, c'est toute l'actualité des nouvelles technos, chaque semaine sur le web. Un JTEC exceptionnel cette semaine à l'occasion de la disparition de Steve Jobs. C'est l'événement de la semaine et évidemment, nous allons y revenir à notre manière dans le GTEch. On verra tout d'abord cette avalanche d'hommages. On se posera également la question de la personnalité du patron d'Apple. Et puis, bien sûr, la question que tout le monde se pose que va devenir Apple Comment cette société va-t-elle évoluer Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce GTEch spécial. Uh, before we do, I just wanted to mention this. <laughs> Voilà, c'était en 2008, à l'occasion d'une des traditionnelles keynotes. Steve Jobs plaisantait sur les rumeurs concernant sa mort. Et cette fois-ci, eh bien malheureusement, ce ne sont plus des rumeurs. Et c'est ce mercredi 6 octobre que l'annonce est tombée. Steve Jobs donc est décédé. Euh, il faut dire que depuis de nombreux mois, Steve Jobs était. Très gravement malade, euh, il l'avait démissionné de son poste de PDG d'Apple. C'était le 24 août dernier. Alors on va revenir tout au long de ce JTec hors du commun avec des invités, des intervenants, euh, des analystes et puis surtout un invité qui a rencontré Steve Jobs. Il nous en parlera tout à l'heure. Mais d'abord euh, direction la Silicon Valley pour aller voir un petit peu comment euh, cette nouvelle est perçue sur place. Alors on va retrouver Dominique Piotet qui est à San Francisco. Dominique, est-ce que euh, dire que la Silicon Valley est en deuil aujourd'hui. Ah oui, c'est très clair. La Silicon Valley pleure son dieu. Ici, on... c'est une ambiance de deuil. Euh, je ne sais pas, mais moi, ça me rappelle un petit peu quand, euh, quand Diana euh, est, est, est décédée sous le pont de l'Alma. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'ambiance. Euh, on voit des gens qui attendent devant les Apple Store. On voit des fleurs euh, au bord des Apple Store, devant la maison de Steve Jobs euh, à Palo Alto. On voit aussi des gens qui attendent. C'est le sujet de conversation. J'étais hier soir à un événement de geek, euh, et bien évidemment, on a commencé par euh, euh, l'hommage et, et, et la grosse larme à Steve Jobs. Pour être franc, on a même fait une minute de silence pour Steve Jobs. Donc, on sent vraiment que voilà, c'est l'événement en ce moment dans la Silicon Valley, et c'est surtout une ère qui, qui part avec un des héros, euh, un des héros qui a fait la Silicon Valley. Qui, ben voilà, qui disparaît. On attend aussi le, celui qui sera peut-être euh, le nouveau Steve Jobs. Euh, Est-ce que ce sera un Mark Zuckerberg qui a rendu un vibrant hommage à, à Steve Jobs, qui a perdu son mentor euh, Est-ce que ce sera un Jack Dorsey, le patron de Twitter Est-ce que ce sera Larry Page, Sergey Brin, euh, les patrons de Google Bref, la Silicon Valley va peut-être commencer à se chercher un nouveau mentor. C'est pas sûr qu'on le trouve ici d'ailleurs. Dominique Piotet, merci. Voilà pour l'ambiance donc à San Francisco et dans la Silicon Valley. Cela dit, le web dans son intégralité, Jérôme a été affecté par cette annonce. ah puis ça va bien au-delà du cercle des geeks puisque mmh. les hommages se sont multipliés euh, presque jusqu'à l'overdose diront certains euh, pendant deux jours euh, des tributes comme on dit sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc. Ça c'est vraiment inattendu, mmh. François. Comment se fait-il que Steve Jobs, au-delà du cercle des technophiles Soit considéré aujourd'hui quasiment comme une rockstar. – Alors on va en parler avec nos invités fil rouge, l'âme qui est chroniqueur au Journal du Geek et Dominique Delport président d'Avast Media. Je crois que Steve Jobs c'est euh, le John Lennon de la génération d'avant. Il y a quelqu'un qui incarnait bien plus que ce pourquoi on l'a connu, on l'a suivi et euh, pour lequel on a vieilli avec lui. Euh, c'est la jeunesse, la fougue, le mythe de la start-up, le garage avec le succès de l'Apple c puis Macintosh en 1984, avec cette posture de rebelle, un peu iconoclaste, transgressif. Il voulait se taper IBM quand même, hein, rien de moins. Ça montre à quel point il y avait de la passion autour de cet homme, qui était positive ou négative, mais une énergie qui a très très longtemps manqué aux nouvelles technologies. Et je parle même, là j'englobe les jeux vidéo. C'était vraiment une industrie qui du coup était passionnante dans son contenu, mais on peut le dire vraiment ennuyante dans ses coulisses. Et puis, c'est un peu le bûcher des vanités. Steve Jobs prend la grosse tête. Il veut aller trop vite, trop haut, il se brûle les ailes et il tombe, à la fois avec des produits qui n'ont pas marché, le Newton qui était trop en avance par rapport au smartphone, mais plein d'autres produits qui n'auront pas le succès escompté. Il découvre qu'il y a, après l'échec, la possibilité d'une remontée en restant focalisé sur son projet. Et je pense que le Steve Jobs de l'âge adulte qui va enchaîner les réussites, iPod, iPhone, iPad, et cet homme qui, en 2005, s'est adressé aux étudiants de Stanford avec ce message Stay hungry, stay foolish, ayez toujours faim, soyez fou, soyez irrévérencieux et faites ce pour quoi vous êtes fait. And I've always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Voilà quelques images de ce discours prononcé par Steve Jobs à l'université de Stanford il y a quelques années de cela. Un discours que vous pouvez retrouver en intégralité sur le web, bien sûr. Alors, François, Apple, si l'on devait retenir quelques dates, on pourrait dire qu'il y a eu principalement en 1984 le Macintosh, en 2001 l'iPod, l'iPhone en 2007, mmh. et puis bah, l'iPad en 2010. Mais au-delà de l'innovation technologique, ce qui est assez étonnant quand même, ce sont les innovations de la marque à la pomme en matière de marketing. Ce que Steve Jobs a réussi à faire, c'est à la fois avoir des publicités qui ont marqué l'époque la fameuse pub 1984 ne sera pas comme le 1984 de George Orwell avec cette, je dirais, ode anti-IBM à marquer les esprits. Et puis ensuite, il y a eu le style très dépouillé sur fond de musique et de couleurs de l'iPod. On l'a dans les mémoires. Et puis, de plus en plus... Des pubs qui sont euh, extrêmement simples, extrêmement lentes, comme Nous si le temps s'arrêtait dans la grammaire d'Apple. Une petite Listen musique au piano, magazine. souvent instrumentale, avec des gestes très simples, le produit en gros plan, une voix souvent âgée, comme un grand-père qui lit une histoire à Now ses petits-enfants. Et ce dépouillement-là, qui touche toutes les générations, est aussi la marque d'Apple. Le, le fait qu'il n'y ait pas d'infos, qu'il y ait des rumeurs. Qui est quand même des petites choses qui filtrent et qui montrent aussi les manières, les techniques managériales ou les techniques de négociation de jobs qui étaient vraiment très très dur. On peut le dire clairement, c'était vraiment pas un CEO, c'était un général de guerre. Ça a construit sa légende. Parce qu'évidemment, il y a le mystère, il y a le génie. Et quand on met les deux en même temps, ça ouvre la porte à tellement d'histoires, de questions, qu'on on peut vraiment en parler sans fin. Et vraiment, il n'y a aucune personnalité dans ce secteur aujourd'hui qui peut se targuer d'avoir une, une aura aussi forte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque des gens se plaignent. Euh, de, de, du traitement euh, accordé à Steve Jobs, qui est celui d'une rockstar ou d'un grand homme politique, ou même des parfois d'un Messi, c'est parce que c'est le cas. C'est vraiment le cas. Il y a vraiment une aura autour de cet homme, et aucune autre personne du milieu high-tech ou du jeu vidéo peut s'en targuer. Cela dit, tout n'est pas rose hein, du côté de la marque à la pomme. Steve Jobs, on le sait, avait un caractère de cochon. Euh, il n'était pas bon d'être son collaborateur lorsqu'il nous avait dans le nez. Écoutez. On a 50% d'histoires de, de gens qui sont absolument émerveillés pour des petites choses qui sont passées avec Jobs et qui ont montré vraiment son génie ou la grandeur de l'homme, et 50% des histoires qui racontent à quel point il était affreux, à quel point il pouvait avoir un chef de produit qu a, qui, qui menait au top pendant trois mois et qui se faisait descendre vraiment couper en deux lors d'une réunion, à quel point il était tyrannique avec ses ingénieurs. Ça veut dire qu'on lui disait c'était pas possible il regardait les gens et dit mais si tu vas y arriver. Il y avait vraiment quelque chose qui était très très dur autour de cet homme. Il était vraiment très dur. Il était aussi très très dur avec lui-même. Et ça, il faut, faut vraiment pas l'oublier. Et ça, et ça comptait surtout à tous les étages. Ça veut dire qu'avec ses concurrents, avec ses partenaires, on se rappelle de discussions absolument houleuses avec tous les, les majeurs de disques, tous les opérateurs, où il arrivait, il disait bonjour, on va changer toutes les règles du jeu. Et il le disait avec un calme olympien, ce qui rendait les gens complètement fous. Mais c'est ce qu'il faisait, c'est ce qui faisait vraiment le sel de Jobs. Il était extrêmement directif, dur. Colérique, intransigeant, exigeant. Tout le monde l'a dit, tout le monde le, le retient. On a des très beaux témoignages sur Internet de journalistes américains avec lesquels il a développé une, une vraie liaison amicale, comme Walt Mosberg de All Things Digital. Et c'est vrai qu'il disait souvent Non, non, ce n'est pas la bonne question. La question que vous devriez poser, c'est celle-là. Parce que là, il y a un enjeu. Et donc, il était extrêmement habité, était autant par les réponses que par les questions. Voilà, il était journaliste lui-même il avait beaucoup d'attention au métier créatif. Donc, face à un photographe, ouais. Face à un designer, face à un technicien, euh, il avait de l'empathie. Face à un journaliste, euh, c'était beaucoup plus guerrier. Pas facile avec les journalistes, Steve Jobs, et il en sait quelque chose, Dominique Delport, car il avait organisé une interview du patron d'Apple il y a ça, quelques années. Oui, c'était en 2003, c'était sur Canal ⁇ l'émission s'appelait Merci pour l'info, et toute l'équipe de cette émission était prête à recevoir Steve Jobs. Le studio était au nord de Paris, à la, Seine, à la plaine Saint-Denis. Et puis on a vu arriver une Mercedes, mais qui est arrivée dans le plateau, c'est-à-dire qu'à à deux mètres de la table des invités. Trois molosses en sont sortis. Et puis Steve Jobs est apparu. Il y a un côté évidemment christique dans l'iconographie et le mythe Jobs. Donc on oublie les disciples, on oublie les apôtres ou les gardes du corps. Et on ne retient que ce bonhomme qui s'assied avec tous ses produits. À l'époque, à la télé française, comme aujourd'hui, on n'est pas le droit de monter les produits. Peu importe, il a fait une espèce de publi-reportage, de téléachat pendant 20 minutes sur le plateau de Canal, et avec une passion qui était assez étrange. Cet homme était habité par ses produits tout autant que par son entreprise, tout autant que par les valeurs et la philosophie qu'il qu incarnait. Alors, les produits Apple, effectivement, euh, à quoi vont-ils ressembler dans le futur Quid de l'avenir d'Apple Apple, Apple restera-t-il Apple sans Steve Jobs Et puis surtout, que va devenir la marque Apple je pense que la marque survivra parce que la marque d'une robustesse et d'une vélocité. Elle doit réinventer son mythe fondateur. Chanel a survécu à Coco Chanel, Dior à Christian Dior. On est dans le, le même genre, Yves Saint Laurent à son créateur également. D'un côté, on sait qu'il y a un élan, il y a une, une énergie qui est en marche qui fait qu'Apple continue à vraiment surfer sur le haut de la vague. On se demande ce qui va se passer à moyen terme, je vais dire à peu près à 2-3 ans. On se demande vraiment ce qui va se passer parce qu'il manque aujourd'hui une vision et qui va vraiment manquer cruellement parce que cette vision fait qu'Apple est unique aujourd'hui dans la concurrence et que l'autre côté la concurrence qui s'en est quand même pris plein la tête sur les, sur les dix dernières années et aujourd'hui ces concurrents ils sont pas bêtes ils apprennent donc de plus en plus on voit des produits de mieux en mieux finis de mieux en mieux pensés on voit qu'il y a des nouvelles générations de chefs de produits d'ingénieurs de designers même de CEO de PDG qui sont nés aussi dans la culture Apple et qui savent euh, l'exploiter à, à leur avantage. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce qu'Apple, euh, non seulement va y avoir une petite perte d'élan, mais derrière, ça va revenir très très vite, je pense. Alors, quel sera l'héritage laissé par Steve Jobs C'est un peu la question. Bah, sans doute, on le voit, François, euh, une inter des interfaces conviviales, facilité d'utilisation, la dimension affective, le marketing. Au fond, tout ça, ce sont des valeurs. Que tous les fabricants high-tech ont aujourd'hui adopté. Autre actualité importante, ce sera le 2 novembre prochain, ce sera la sortie en France et dans le monde de la première biographie officielle de Steve Jobs. Euh, C'est d'ores et déjà un best-seller. Probablement. L'actualité, ce sera également la semaine prochaine la sortie de l'iPhone 4S. On aura l'occasion donc d'en reparler en détail. Merci d'avoir suivi ce JTEC un peu particulier. Euh, merci de nous regarder à la fois sur Orange Innovation TV, sur TLM aussi, sur la TNT à Lyon, euh, mais aussi sur YouTube, Dailymotion. On se retrouve bien sûr pour un JTEC peut-être un peu moins mouvementé la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à tous, bye bye. Innovation.tv